c'est quoi, mon dieu. Hola. J'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, je suis désolée. J'avais pas le temps, j'avais pas la motivation, les cours m'ont pris la tête, littéralement, et c'est encore le cas. Mais je me suis dit quand même, il faut que j'en fasse une vidéo, puis moi j'avais envie de filmer du coup ma dernière semaine de cours cette année. Comme l'année dernière, c'est une vidéo que j'ai kiffé filmer et que du coup je voulais refaire. Donc voilà. Aujourd'hui on est le dimanche 12 juin. Je vais commencer ce vlog aujourd'hui et je finirai samedi parce que je rentre chez moi et que j'ai pas envie de filmer chez moi, donc j'arrêterai juste avant que mon père vienne me chercher. C'est une semaine assez intense, vous verrez. J'ai pas énormément de contrôle, mais j'ai un énorme DS qui arrive mercredi et qui demande énormément de taf. Du coup, les premiers jours, vous allez juste me voir taffer, en fait. Enfin, je vais faire quelques trucs en mode lessive, ménage, voilà. Mais sinon, je vais passer mon temps à taffer essentiellement. Et à partir de mercredi, moi, dans ma tête, je suis en vacances à partir de mercredi après-midi, quoi. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi dans toute cette petite aventure, enfin, dans cette petite semaine. J'espère que ça vous plaira et voilà. C'est vraiment la pire intro de l'univers. C'est pas grave. La lumière est absolument affreuse. Le programme aujourd'hui, c'est que je vais bosser pendant 2 petites heures ce matin. Ensuite, j'irai faire les courses. Je mangerai et je recommencerai à travailler, et ce jusqu'à ce soir. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est les élections législatives. C'est super important de voter, donc si jamais vous pouvez pas vous déplacer, pensez à la procuration. C'est important, c'est remplir son devoir de citoyen. Là j'ai appliqué ma crème pour le contour des yeux, j'ai appliqué ma crème de jour. Je prends la crème solaire, on s'en bat les couilles, hein, genre... Ah j'adore, en plus, genre la crème solaire c'est vraiment une odeur d'été. Genre c'est grave une odeur, tu la sens, tu l'associes à l'été. Je sais pas quoi faire avec mes cheveux. Je vais juste mettre du produit, une huile sublime de Desange. Honnêtement, c'est plus psychologique qu'autre chose, hein. J'ai jamais vu de différence. Mais psychologiquement, je me sens mieux quand je mets un truc dans mes cheveux, donc voilà. Là, je suis censée être en train de travailler depuis 35 minutes. Mais en fait, j'ai mes règles, et genre, je sais pas si, genre, celles qui ont... Enfin, les personnes qui ont leurs règles, ça vous fait ça aussi. Genre, quand j'ai mes règles, je suis grave au ralenti, genre... Tout ce qui pourrait me prendre, genre, 10 minutes à faire d'habitude, mais je mets une demi-heure à le faire, c'est super chiant. Il est super lumineux, c'est trop cool. Mais du coup, vous allez avoir des changements de luminosité comme ça tout le temps dans la vidéo. Je suis désolée. En gros, hier, j'ai invité Camille et Marie à manger chez moi. Du coup, j'aurais fait une salade et ça a fait de la vaisselle. Et je l'ai pas fait parce que elles sont parties à 23h30 et enfin, clairement, j'avais la flemme. Du coup, bah, je suis obligée de la faire maintenant vu que j'ai plus de couvert pour manger. C'est déjà midi 45, j'ai pas fait les courses parce que j'ai eu super mal au ventre. Du coup, je me suis posée sur mon lit pendant peut-être une demi-heure. J'arrivais plus à me concentrer. Je ferai les courses cet après-midi en espérant que le Franprix à côté de chez moi ne ferme pas le dimanche après-midi. Donc du coup ce midi je mange le reste de salade d'hier soir, une pêche en dessert. Et voilà. Je vais organiser la semaine qui vient. C'est-à-dire qu'en gros toutes les semaines je fais un planning comme ça. Et ça va m'aider du coup à savoir qu'est-ce que je vais acheter pour mes courses. Comme du coup je me fais un menu pour la semaine pour savoir qu'est-ce que je mange tel jour et tout.
Voici mon menu pour la semaine, sachant que je vais au resto jeudi soir, que je sais pas quoi manger samedi, donc j'aurai sûrement des restes, ou alors j'irai me prendre un truc à côté de chez moi, et que à partir du samedi soir, je suis chez mes parents. Du coup, je vais compléter ma liste de courses ici, et j'irai faire mes courses du coup dans 1 heure. Là, je vais taffer un peu et course. Vous savez quoi? Heureusement que j'ai vérifié si le Franprix était fermé ou pas. Parce que là, sur Internet, ils disent que c'est fermé. Honnêtement, il fait trop chaud. Je vais pas prendre le risque d'y aller, même si c'est vraiment à 3 minutes. J'ai la flemme. Et j'irai demain matin, pendant que je fais ma lessive. Et go remonter! Je viens de dîner. Je vais recommencer à travailler. Il est actuellement 20 h passées. Par contre, je viens de voir un truc qui me dégoûte. C'est absolument écœurant. Pourquoi? Non. Par contre, c'est joli. Du coup, j'ai pas acheté énormément de choses, j'en ai eu pour une 14aine d'euros, un peu moins. Et du coup, je vais vous montrer. J'ai oublié mon trépied à la laverie. Bon, on va se débrouiller sans. Alors déjà, voilà ce qui reste dans mon frigo. Faites pas attention, ça c'est du parmesan parce que mon truc il est ouvert et du coup, quand je le range, à chaque fois ça tombe. J'ai acheté des knackis, du taboulé, du jus d'orange avec pulpe, très important. De la mozza. Les bananes, mes céréales préférées, donc c'est les trésors. Mes cookies industriels préférés, les seuls que j'aime. J'aime pas les cookies au chocolat. Du coup, c'est ceux-là au chocolat blanc et au cranberry. Voilà. Il est midi 20, je vais déjeuner. Je travaillais pendant 1 heure après avoir fait ma lessive. J'ai étendu mon linge, tout ça, tout ça. Et ensuite, je vais travailler jusqu'à ce soir. Je vais pas beaucoup vous filmer en vrai aujourd'hui parce que j'ai énormément filmé hier. Et je veux pas non plus que la vidéo elle dure 30 minutes. Et puis je vais rien faire d'extraordinaire à part la lessive de ce matin. Je vais vraiment juste travailler tout le temps. Bon alors, est-ce qu'on est prêt pour cette interro? Vraiment pas. Non, jamais. Je crois que j'ai jeté une poêle dans ma poubelle. Je vais venir sur son vlog. Non, pas Il y a pas. Ça va bien. Quoi, là je me dis oh là, j'ai pris quelqu'un qui s'est mort. Il y avait le soleil et je marchais comme ça. T'as vu le plafond de la nuit? Je veux venir. Tobaïne. Ensemble les. Capétas. Capétas. Grand. Moi je suis pas sûre d'avoir prête. Voilà, c'était mieux. Super, merci. Les molécules elles se font des bisous et après ça donne une autre molécule. Toi t'as une. Ah tu me filmes là, arrête. Oh, mais là je suis coiffée. Là je suis coiffée. Voilà. J'ai tellement mal à la tête, meuf. Ouais, c'est horrible. Ah, mais donc toi aussi t'as eu mal à la tête? Ouais. Oui, on est carrément à 60. Carrément. Est-ce qu'on est plus belle le matin ou le soir? Je sais pas. À vous de juger. Je suis en train de me balader dans la rue avec un couvercle de Tupperware parce que j'ai éclaté
mon tupperware ce midi. Je suis allée jeter mes débris de verre dans une conteneur à verre, je sais pas comment on appelle ça. Et bref, en vrai, ce qui me dégoûte, c'est que je vais devoir jeter mon sac parce qu'il y a plein de débris de verre, genre de le truc super dangereux qui peut rentrer dans les doigts de ça. Mais en fait, il était pratique parce qu'il était à la bonne taille, genre il était vraiment tout petit pour juste ma bouffe. Mais bon, une petite minute de silence pour mon sac, s'il vous plaît. Aujourd'hui, donc, on a commencé à 11h avec du coup le QCM de TP, de chimie organique. Franchement, il s'est bien passé, surtout qu'on avait des annales. Du coup, bah, c'était quasiment les mêmes questions, donc ça, c'était cool. Bien sûr, on a tout compris, on n'a pas fait du par cœur, voilà. Ensuite, donc, on a eu une consultation de copie de maths thématiques. J'ai 15,5, je suis trop contente parce que la moyenne, elle est... enfin, c'est pas un contrôle qui a été super bien réussi. J'ai une bonne note, quoi, je suis contente. Ensuite, on a eu 4 heures de sensibilisation au code de la route. Enfin, genre tout ce qui est sécurité routière, pas fumer, boire au volant, tout ça. Il y a eu des témoignages de victimes. C'était. Franchement, c'était intéressant. C'est ça, en fait, qui a causé mon mal de tête, mon mal de crâne. J'ai pris 1 gramme de Doliprane, mais je vais prendre l'ibuprofène parce que là, ça passe pas. Après ça, on a eu une consultation de copie en chimie organique, donc de notre premier DS qu'on en a fait en avril. En vrai, 8,25 en chimie organique, ça va. Alors c'est grave dans la moyenne, vu que la moyenne elle est à 7,5, donc franchement, ça va. Aujourd'hui, on est le mercredi 16 juin 2022 et nous avons notre dernier DS de l'année. Voilà, en 1A. Il est 11h30, je vais aller acheter des poivrons et des bonbons. D'ailleurs, aujourd'hui, journée un petit peu spéciale. Il y a des gens de ma promo qui ont proposé à ce qu'on s'habille en mode plage. Je suis en maillot de bain, mais là, vous voyez pas bien, mais je vous montrerai plus tard. J'ai mon petit paquet de bonbons. Et en gros, donc là, c'est le jour du marché et je me sentais un peu mal de acheter mes légumes au Franprix alors que je pouvais les acheter clairement au marché. Du coup, j'ai demandé à un endroit si je pouvais avoir 3 poivrons. Et en fait, j'avais que ma carte avec moi, j'avais pas d'argent. Et elle me fait 3 euros et quelques. Et je fais par carte. Et elle me fait non, en fait, je prends que à partir de 10 euros. Mais bon, je peux vous prendre à partir de 8 euros. Donc, ok. Du coup, j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté des nectarines. Mais elle m'en a rajouté plein. Il y en a 8 des nectarines. Mais le problème, c'est que je suis un peu toute seule, tu vois. Vous êtes adorable. Ouais. Dans le sens normal. On est chez M.
Il y a la police. Moi, tu... sens, là. Alors moi tout à l'heure j'étais mal garée. Moi j'ai regardé tout droit, ils m'ont pas regardé donc bon. Mais il faut juste aller en bas. Ouais, fermez la fenêtre. Au moins la fenêtre là. J'aime pas. Sur le pouce. Non mais il me fait peur. Hein. Il me l'a déjà mis sur ma main, ça me fait peur. Hein. Subjugué et j'ai pas les mots pour décrire. Ils ont pas dit que c'était compliqué à ouvrir? Ils sont absolument trop nuls. C'est vraiment... Y a rien qui va. C'est la danse suivante. Merci. Je fais trop peur. Il y a un drapeau de Madagascar là-dedans. Voilà. Très fier. Ça te va trop bien. T'es trop trop belle. Et genre, bref, je parlais avec des gens et je lève la tête, je les vois plus. Il restait plus que nous trois, je sais même, elles sont parties ou genre. Et après, au bout d'un moment, j'en reparlais et t'as Lucie, la meuf de Paul là, qui me dit que genre Camille elle est en haut et que genre ça va pas. Et du coup, là, direct comme ça, il me fait, bon, vas-y, genre, vas-y. Genre, j'avais des toilettes, vas-y. Et du coup, j'arrive et oui, bah ça allait pas. J'espère qu'il a pu voir pour faire la boîte pour un cours, non? Mais ils m'ont dit, hein, elle m'a dit que Clément il avait rien vu, hein, il avait pas trouvé, hein, là où il avait vomi. C'était en face des petites marches. Je vais pas vous mentir, je pense que c'était que du liquide. C'était que de l'alcool. Ouais, ça avait l'air vraiment d'être du liquide. J'ai pris des pâtes au fromage, elle a pris une pizza au jambon de Parme, elle, elle a pris une salade, elle pensait que ça allait toute petite. Voilà, c'est quoi ta salade? Mozza, panée et jambon fumé, sur votre cerise. Elle a pris une pizza margarita, tomates, asperges. Pâtes, ouais, voilà. Et là-bas, c'est quoi? Une pizza au saumon, je crois. Triviata. Nickel. Bah, bon appétit, tout le monde. On pleure pas, hein. Le ressenti. C'est Julie qui passe en première. Ça s'est passé comment? Tout fait mal. Est-ce qu'on peut en voir un? Oh, attends, attends, je fais un petit zoom. Waouh! Waouh! Wow. Ah, tu veux en voir? On voit là sur le groupe? Ouais. Waouh! 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 J'ai eu un peu mal. C'est vrai?